c'est parti pour aller faire l'essai de la Merlee, la Force B1. Magnifique temps. Bah, une journée d'été, quoi, finalement. Par contre, ça va chauffer. Je sens que ça va chauffer sec. Enfin, voilà. Donc, je suis parti pour l'essayer à 50 et 100 mètres. Et les résultats que j'ai eu à 25 mètres, souriez, m'excuser, ils n'étaient pas trop dégueux. Donc, j'espère que ça va donner la même chose à 50 et 100 mètres. Enfin, voilà, quoi. Et écoutez, sur ce, je vous dis à tout de suite sur le plat de tir. Hein. Allez, à tout à l'heure, les gars. Bon, vous allez vous apercevoir que dans cette vidéo, excusez-moi, je ne vais pas parler. Il y aura des séances de tir, il y aura certainement à la fin que je pourrai parler s'il n'y a plus personne, parce qu'il y a pas mal de tireurs. Par respect pour eux et surtout pour moi, pour éviter de me faire passer pour un folle dingo parce que je parle tout seul. Enfin voilà, donc vous verrez la vidéo, vous la verrez en accéléré certains points. Donc c'est pour ceci que je ne dis pas un mot. Bon, allez, la suite avec la vidéo. Je pourrais pas trop parler parce qu'il y a des tireurs. Allez. Alors. Où ça tape? Là, c'est Mystery Boule de Gomme.
que du coup. C'est bien la lunette là, avec son adaptateur. Allez, pousse qu'on se croûte. Ça va ? Ben, s'il y a des trous dans la cible. S'il y a des trous dans la cible, je vais pas avancer le tir. Alors, ça va. Peut-être que ça n'a pas la peine d'essayer. Alors. Ah merde, si j'enlève pas ça, ça va pas le faire. Ça fait des gros trous quand même, ça fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vu ? Voilà. Oh, ça, ça fait. Quand tu les rends plus sûrs, tu les rapprocheras les deux sorbets. Les deux cibles, tu les ramènes. Allez. Ah, c'est comme le plus les petits avec. Ouais. Du coup, tu ne veux pas tester, hein? Tu veux tester, Non, je te remercie. Mais oui. Non. Ah bah, tu peux essayer, hein? C'est tout comme tout. La bonne époque, ça. Ça claque, je suis plus. Ah ouais, c'est tout. Le résultat. Ah, tu me rends mal. Ouais. Pourquoi ? Là, j'ai tiré avec le pistolet et puis à 22. C'est quoi ton pistolet ? À poudre noire. Vous allez aux cibles ? C'est un quoi ? Ouais. Oh, c'est un. Ouais, oh, machin de. T'es bon, on peut reprendre le tir ? Ouais, vas-y. Géco. J'ai pas allumé pour les 5 premiers tirs avec la GECO.
Bon, on va essayer avec le modélateur style numéro 3. Et on va essayer à prendre, comme au début, la top shot. Ah, c'est déjà mieux. Il est beaucoup mieux. Ça y est, la séance est terminée. Ah oui, là, je suis content de ce que j'ai fait, donc ça va.
Ben, c'est pas Jobor. C'est pas Jobor, c'est pas Jobor. Non. Qu'est-ce qu'il me reste en top shot? Je vais faire une série en top shot. On va prendre celle-là. On va voir ce que ça donne. Le canon est chaud. Oh vache. Allez. Ah oui, putain. Ah oui. Le fût. Le fût, il touche le... Ouais. Le fût, il touche le canon. J'essaie de déplacer ça, on verra bien. Mais je pense pas que ça change grand chose. Ouais. Il y a un petit souci. Avec ouais. Alors là, le canon reste flottant, mais le fût reste mobile. Il va falloir rigidifier tout ça.